Merci. J'ai, vous savez, sincèrement, j'ai toujours pensé que les, bon, les chansons, c'est sympa, c'est bien, mais bon, c'était pas, c'est pas très très important. Les si, t'as raison. Non, t'as raison. C'est très important quand on va très mal. Quand on va très mal, on prend une chanson et on la met en boucle toute la journée et on pleure. Et c'est bien. Ça évite de prendre des médicaments, tu vois, c'est un antidépresseur pas mal. Mais comment vous dire, les chansons, quand elles vous touchent, il y a des phrases qui vont te toucher, toi. Et puis, dans la même chanson, une autre personne aura d'autres phrases. Mais la finalité, c'est que la chanson fera le même effet. Elle aura des émotions qui partageront les sentiments qu'on a. Et je voudrais vous chanter une chanson qui a pour titre « Reste ». Cette chanson, c'est un de mes garçons, Gabriel, qui avait fait la musique. Gabriel, à l'école, il n'était pas terrible. Franchement, il ne saurait pas été un futur grand diplômé, mais au piano, alors, il faisait des musiques super. Il a fait la musique de cette chanson et celle que je vais chanter après. Et la chanson reste, quand on a écrit le texte, quand on a écouté ce qu'on avait écrit, qu'on a lu, on s'est dit, c'est vrai, on pourrait avoir plusieurs interprétations. Reste, ça aurait pu être une histoire d'un couple qui se sépare. Tu vois, il y en a un des deux qui s'en va et voilà, reste. Ben non, reste pas, elle est partie. Et puis dans la vie, il y a aussi les enfants qui quittent la maison. Ça arrive qu'ils s'en aillent. Ils restent pas tout le temps à la maison, des fois ils s'en vont. Moi je sais, je connais. Donc quand ils s'en vont, il y a comme un vide. Alors on essaie de les retenir un petit peu, mais bon, c'est comme ça, ils s'en vont. Et puis, la réalité de cette chanson, c'est qu'elle a été écrite dans un contexte particulier. Le grand-père de Gabriel, qui était mon beau-père, c'était un homme formidable qui s'appelait Guy Moinard, était en train de nous quitter. Et on a fait cette chanson pour exprimer les sentiments qu'on avait alors. Vous voyez, sur la même chanson, les mêmes mots veulent dire des choses un peu différentes. Vous, vous prendrez les versions qui vous toucheront le plus, et moi, je vous chanterai la mienne. Reste encore si tu peux, parle avec les yeux. Reste là près de moi, c'est loin où tu vas. Attends.
sais qu'on n'y peut rien et que malgré tout mon chagrin, je dois t'aimer et te laisser. Emmène-moi avec toi là où tu t'en vas. Si tu veux, si tu peux, prends-moi dans tes yeux.